À lancer à 9-18. Okay. On peut y aller? Oh bah si tu veux commenter, ouais. Ah mais elle enregistre parce qu'il n'y a pas le micro. Rebonjour à tous, quatrième branche aujourd'hui. On rentre sur Avignon, on vient de faire le niveau, on a 60 litres, ça fait 3 heures d'autonomie. Cinquième branche. On considère qu'il va falloir 2 heures pour faire le vol. Mais bon, si la météo nous impose certaines petites fluctuations dans notre plan de vol, on va quand même assurer le coup, on va rajouter un peu de carburant. Donc du coup, on fait une escale à Carcassonne. Je viens d'appeler l'avitailleur par téléphone, il nous attend. Donc on va faire le plein de jet à 1. Enfin, on va rajouter dans les ailes du jet à 1 et après on reprendra notre route sur Avignon. Voilà, allez, il est 9h30, on met en route. Hein. Donc je vais remettre un coup de l'eau parce que du coup, les bougies se sont refroidies le temps que je discute. Et puis le temps que le moteur chauffe, on va préparer la suite de la machine. Les jauges là, tu vois, gauche-droite, hein. Ben, ils nous indiquent beaucoup plus que ce que moi j'ai mesuré avec le jaugeur, quoi. Ouais. Voilà. Là vraiment, si on met du fuel, c'est parce que, bon, on veut quand même assurer le coup. Pas la peine de se mettre en stress pour rien. D'où le sujet finalement de faire confiance à ces jaugeurs, mais de manière excessivement relative. Ouais, c'est pour ça qu'à l'aéroclub, on a des jaugeurs métalliques qu'on plante dans les ailes qui sont gradués. Pour ne pas faire confiance aux instruments de bord qui peuvent être faux. Le problème, c'est que je pense qu'eux, ils sont peut-être un poil optimistes, enfin peut-être optimistes, ils sont peut-être réels d'ailleurs. En tout cas, ils en donnent toujours plus que ce que donne le jaugeur du aéroclub. Alors, soit il y en a un qui est optimiste, soit il y en a un qui est volontairement pessimiste pour ne pas qu'on se mette en danger. Mais tout alors, savoir qui, quoi. Exactement, donc la nave, elle est fastoche, hein. On décolle de Toulouse, on va décoller plein nord, on va suivre la rocade, obligatoirement, circuit en forme de couille, Toulouse. Ça sera ta tête. C'est tout arrondi. Donc on suit la rocade, on va prendre après l'autoroute d'Albi, et après on va éviter les différents villages, on va sortir par Sierra Lima, qui est le point sud de Toulouse. Et de Sierra Lima, on fait une directe Carcassonne, hein. Donc dans demi-heure on est à Carcassonne. Hein. Ça va être du rapide. Donc la fréquence ici c'est 122.7, si j'avais mis la radio ça irait mieux. Donc 122.7, on va se mettre sur le SIV, parce qu'on va de suite passer avec le SIV, 121.25. Quand on va rentrer dans la CTR de Carcassonne, on passera sur 121.00. Voilà. Donc nave excessivement simple ce matin, la première partie. Et l'autre après ça va être du côté, donc il suffira de suivre le trait de côte. Sachant que ce matin, j'ai aussi fait le papier, enfin la nave. Voilà, Pascal derrière à la nave, parce que celle-là n'était pas prévue, donc je ne l'avais pas anticipé. Donc ce matin, traçage de cartes au Carrière d'hôtel pendant le petit déjeuner, élaboration du log. Il y a qui sera au point Bravo près au décollage. Attention, Guichera depuis Bravo, au niveau 33, autorisé décollage, sur la carte. 282 degrés. Guichera autorisé au décollage. Et log de nave, très très rapide, basique. Donc là ce matin, c'est conditions météo qu'on n'a pas vraiment eu jusqu'à présent, c'est, chaque jour a été différent, on peut dire, punaise, pour un mois de mai c'est très rare. Même que la météo soit aussi changeante d'un jour à l'autre. Même quand on se déplace comme ça, c'est incroyable. Alors, ce matin, on a une météo avec un plafond à 5000 pieds. Néanmoins, il y a quelques fioux qui bourgeonnent entre 800 et 1000 pieds. Donc voilà, c'est ce qu'on voit de temps en temps, les petits nuages un peu plus foncés juste au-dessus. Et puis surtout, il y a un petit peu de pluie, donc ça va être un petit peu crapoteux, quoi. Hein. Mais bon, il y a de la visée, on a les 10 kg, il n'y a pas de souci. Et surtout, pour nous, c'est intéressant, c'est qu'on va vers le beau. Puisqu'on sait qu'une fois, jusqu'à Carcassonne, on va avoir un temps dégueulasse. Hein. Et puis après, quand on repartira de Carcassonne, quand on aura passé la ville de Lézignan, sur la TM6, c'est bien visible.
on va se retrouver dans une zone totalement dégagée. Avec voilà. Un beau ciel bleu, sauf sur Montpellier où il y avait des précipitations ce matin. Ça y est, on est logué sur, sur Toulouse, là, avec SDVFR. Parfait. Ouais, ce matin on est plus sur une visite de 5-8 km. D'après le... D'après le Métar ? D'après le Gaffort. Ah d'accord, le Gaffort, ok. Bon, le moteur est en train de chauffer. Dès qu'il est chaud, j'appellerai la tour, hein. C'est pas peine de les appeler trop tôt, ça n'avance à rien. Ce qui est bien, tu vois, sur SDVFR, c'est que là j'ai la carte, hein, et je peux lui demander de m'afficher la carte VAC à surimpression de la carte OACI. D'accord. Ce qui fait que là, pour suivre les traits, c'est le jeu vidéo. Bon. Yankee Sierra, vente arrière pour toucher piste 33 degrés. Voilà, Delta novembre. Yankee Sierra autorisé toucher 33, 290 degrés, 4 nœuds. Yankee Sierra autorisé au toucher 33 degrés. Toulouse Lasbord, Fox Tango Novembre, bonjour. Tango Novembre, Lasbord, bonjour. Bonjour madame, Fox Golf Bravo Tango Novembre, 16972, 3 personnes à bord. On est parqué au pied de la tour pour un vol à destination de Carcassonne. Qu'est-ce que je voulais dire, excusez-moi. Oui, ça sera une sortie Delta Novembre et puis après à l'issue partir sur Sierra Lima pour quitter votre circuit. Reçu Tango Novembre, donc roulez pour le point d'attente 33, rappelé pour départ. On roule pour le point d'attente piste 33, on rappelle prêt au départ, Fox Tango Novembre. C'est intéressant aussi toujours en aviation, même sur le simu tu peux t'amuser à le faire, hein, ça mange pas de pain. Quand tu vois un avion décoller, tu auras toujours derrière, tu auras la gueule qu'il a. Ça te permet de voir peut-être si t'as... Oh putain ça remue, là il y a une petite turbulence, il faut que je fasse gaffe aussi quand je vais arriver à son côté, que ça se fasse pas bananer. Ouais parce qu'elle peut pas donner de clairance, donc l'autre il a dit dire ben, j'atterris, l'autre il a dit atterrisser. Donc là on le voit bien ce matin, on voit tu vois le point rouge de, des feux de nav sur la gauche, tu sais le petit ouais. Ouais, si ouais. On le voit bien. Bah, j'essaye même pas de le voir, j'y vois rien. Là. Ok, c'est relancé pour la vidéo. Donc pro. Et... Fox, Tango Noir, on a vigile sur le trafic en touché. On est prêt à s'aligner. Alors, Tango Novembre, vous avez besoin de remonter la piste, la distance utilisable là est de 595 mètres. C'est bien pris, on remonte la piste, on s'aligne, Tango Novembre. Bon, moi j'ai toujours décollé de là, mais bon, pas de soucis. Il y en a des hangars là, de... Ouais, des clubs là, tout le long. Des clubs, ouais. Et là, ils sont en train de faire des cliniques, là. Construction encore. Tango Novembre, la piste 33, autorisée au décollage, 250 degrés, 4 nœuds, appelé Delta Novembre. Elle dit autorisé. Si vous le souhaitez, vous pouvez sortir en fin de vent traversier pour vous raccourcir un petit peu. Oui, je vois ça sur la vague après Balma. Ok, très bien madame, je vous remercie, on autorise le décollage piste 33, on rappelle secteur Delta Novembre. C'est tout bon ? C'est bon, allez, on part en décollage sur le qui sera vent arrière pour toucher piste 32 trop dur. 31, allez, Yankee Sierra numéro 1 rappelé au final 33. Il est 33. La puissance est affichée. Le badin est actif. Il n'y a pas d'alarme. On poursuit le décollage. Donc là il faut garder un maximum de pistes. Hein. Il ne faut pas se laisser impressionner par les arbres. Voilà, c'est parti. Et reparti.
compagnon qui s'y autorisé, touché 33, 270 km. Et un qui s'y autorisé au toucher 33 dur. Ça, c'est un ancien truc de militaire pour les parachutes. Ah, d'accord. Ce bâtiment, à l'époque, il faisait sécher les parachutes là-dedans. Ah, d'accord. Et on voit que c'est une ancienne caserne d'ailleurs. Hein. Ouais, les équipements, il n'y a pas de doute. Ouais, donc l'objectif, c'est d'éviter de passer là-dessus, quoi. Voilà, exactement. Tu vois tous ces quartiers résidentiels. Ouais. Par contre, là, on va pouvoir, si on veut, soit on continue jusqu'à la prochaine rocade, soit on va pouvoir tourner après les buildings qui sont là, parce qu'elle nous a dit de raccourcir le circuit. Écoute, je vais pas m'en priver, hein, de toute façon. Regarde, là, t'as une ancienne base, regarde, avec les avions, tu vois. Ah ouais, ouais, d'accord, ouais. Voilà. Ah ben, c'est une sorte de... Ouais, ça me fait penser à la constellation, ça. Ah, t'es dans la cité de l'aéronautique ici. Partout où tu vois, t'as des avions, hein. Ouais, ouais. Ah, non. Allez, je peux faire mon virage, je raccourcis mon circuit, hein. Belle vue sur Toulouse. Monter trop parce qu'après on va attaquer les nuages, alors ça sert à rien. Donc là on doit être sur du 1000 pieds là, c'est ça? Ben je suis à 1200 pour l'instant. 1200. Bonorama. Bonorama. Prenez un peu plus à l'aise là pour pas survoler Balma là parce que c'est sensible. Oui, je suis juste sur le trait bleu de ma carte VAC, géoréférencé. Je passe entre le château de Pain et Balma là actuellement. Sur le circuit un tout petit peu plus à l'est, je pense, d'après mon radar et visuellement, je vois là, comme le plafond est pas très haut. Ah bien, ben là je passe à un château d'eau qui est au sud du hangar Sironis. Montagne qui sera à vente arrière au toucher 32 trop dur. Montagne qui sera autorisé au toucher 33. Il y a un collectif très puissant de riverains. Le château est en dessous là. Ouais, ils sont nerveux quoi. Ouais. Ils voudraient fermer le terrain. Ouais. Ouais, c'est pour ça après, les sensibles au fait de ne pas leur donner la moindre occasion quoi. Exactement, c'est normal. Bon, on va rester bas hein. Ouais. Ça ressemble à la vidéo que j'avais eu quand j'étais revenu de... Là j'ai un, tu vois, c'est tout à fait ça quoi. Là, voilà. Donc on a 1300 pieds, on va rester pour l'instant là. Après il faut s'habituer visuellement à... Un château à gauche là. Et le terrain il est... Ah ben il est là-bas le terrain. Donc là on est quasiment en fin de vente arrière là. Ouais. Je vais m'annoncer travers Delta Sierra dans un petit moment. J'arrive à la board. Allez. Bon, alors les feux de taxi c'est bon, la fuel pump c'est bon. Le pitot pour l'instant c'est sans objet. On est typiquement dans une météo crapouteuse, hein. Ouais. Mais qui n'est pas dangereuse parce qu'en fait on voit le sol, on voit pas très loin mais on voit le sol. Tango devant moi. Tango devant moi. Vous quittez mon circuit là, pour quitter ma fréquence, je vous suggère de passer avec l'info 121-25. Oui bien sûr, 121-25 avec l'information, merci madame, bonne fin de journée, au revoir. Merci également. Vas-y, il ne va pas y avoir grand monde sur la fréquence encore ce matin. Hein. Je sais pas pourquoi. Donc là je fais volontairement, je vais à droite parce qu'il y a l'autoroute. Ouais. Je vais chercher l'autoroute qui est dans un creux pour éviter de prendre les petits reliefs qui sont là. D'accord.
c'est sûr que quand t'es pas habitué, tu te dis que la visu elle est pas géniale quoi. Ah ouais ouais. Bon, elle est quand même pas géniale non plus quand même, faut être franc. Mais bon, on a de la distance quand même, regarde, s'il fallait revenir au terrain, on le voit là, ouais, on est loin quand même. Ouais. Donc c'est pas comme des fois t'as des trucs, en tour de piste, tu vois plus la piste, hein. Tu veux faire un bas sauteur, là tu rentres. Mais là ça va, il y a de la visi. Elle est pas terrible, mais il y a de la visi. Avignon, excusez-moi. Toutes les informations, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Tango Novembre, bonjour. Bonjour madame, Fox Golf Bravo Tango Novembre, Cessna 172. On vient de décoller de Toulouse à Lasbordes, libéré par la tour. On est en train de survoler le secteur de Saint-Orens de Gameville pour aller cheminer l'autoroute à destination, dans un premier temps, de Carcassonne où on va refiouler. On transponde de 70-00, on est trois personnes à bord. Donc c'est en novembre, ici c'est 70-40 et il va falloir appuyer à gauche là, parce que sinon vous allez rentrer dans la CTR de Blagnac et là vous serez beaucoup trop près des arrivées qui s'installent sur l'ILS. J'ai bien pris madame, je file sur le NDB Tango Oscar Echo, est-ce que ça vous va? Et Théo, ce serait pas mal, ouais. Et vous êtes à 1400 pieds, le QNH 1019, c'est ça? 1019 au QNH, 1400 pieds, je confirme madame. Reçu. Donc pour l'instant ce sera 2000 pieds max, je confirme 2000 pieds max et je vous rappelle. Oui ben là 1400 pieds on pourra pas monter plus haut. Hein. C'est parfait. Ah ben ça va. D'accord, donc là effectivement on voit qu'on a une visie de merde, voilà. Pas énorme. Alors on peut faire un go-to à l'SMK. C'est dans ce genre de vol où en fait tu bouffes pas mal de carburant parce que tu vas pas forcément en ligne droite, tu vois. Ouais. Tu vois une zone un peu plus foncée qu'une autre, tu vas aller chercher à côté. Alors là il faut faire ça, il faut faire ça. Le NDB sur notre avant gauche, 2 minutes. Voilà, c'est vraiment pourri quand même. Hein. 30 degrés à gauche à 1 minute 45. On va rester comme ça pour l'instant. Toutes les informations, bonjour de Fox Alpha Echo. Fox Alpha Echo, bonjour. Oui, c'est le Fox Opposition Alpha Echo, un PS28 décollé d'Albi. On va travailler dans le nord d'Albi et sur le secteur du Golf Alpha India, donc pour l'info et l'alerte. Fox Alpha Echo, vous avez affiché 70-40 QNH 1019 et j'ai pas compris le type d'appareil. Alors 70-40 1019 et c'est un PS Papa Sierra 28. Reçu. Eh bien, vous me rappelez pour tout changement d'altitude, Alpha Echo? On rappelle pour tout changement d'altitude, ça fait vrai, on a stop 2000. Et comme tu m'as dit, je regarde tout autour. Donc, ligne de tension, ouais. Vertical pylône, toujours. Ouais. Pas se poser de questions, même si on sait qu'on est au-dessus, on passe vertical du pylône. Comme ça, on touche pas les câbles. On passe jamais entre deux pylônes, jamais. Ouais. Bon là ça y est la plaine, mais dans une montagne, ouais, je te laisse imaginer. Ouais. Voilà. Là, là on est à 1200 pieds. On ne doit pas être... j'ai eu l'alarme d'avertisseur de sol là, qui était quand même à moins de 1000 pieds. Bon là on doit être à je sais pas combien, 700 ou 800 pieds sol ou 600 pieds sol à peine. Hein. Donc ouais, on le voit qu'on est bas. Hein. Ouais, ouais, ouais. On est bas mais on touche pas les arbres. De toute façon on est en sécurité, on est hors des nuages, on a le sol en vue. Donc on est en VMC. D'accord. Après la règle des 500 pieds, oui, mais bon, tu vois maintenant, il faut pas être con non plus, quoi. Là, on est aux 500 pieds, mais... Là, on doit y être, là, on est au-dessus, à mon avis. On a de la visite, tu vois, regarde, ouais, ouais, mais là, on est passé dans un truc où il y avait de la flotte, et puis... Exactement. Et puis... Le NDB est sur notre gauche, hein, là. Oui, oui, je l'ai en visuel sur le GPS, hein. Mais si tu veux, à gauche, il y a du relief, à droite, ouais, à l'autoroute, on n'en a pas. Ouais, ouais, donc je préfère rester sur la plaine du Lauragais, que je connais parfaitement. Ouais, ouais. Là, de son côté, on commence à voir le début de la montagne noire, c'est le tout début du massif central à gauche qui démarre. Hein. D'accord. Avec Castres sur la gauche, dans nos 3 heures, on a la ville de Castres là. Voilà, donc là on va aller chercher la plaine du Lauragais. Là on a passé la ville de Bessièges. On a du vent, un petit peu de vent dans le cul. Ouais. 105 nœuds, on est.
32 nautiques, donc on est posé dans 20 minutes. Tu vois. Donc le but du jeu, c'est d'être parfaitement sécure, alors on est sécure. Alors il y a un phénomène aussi que j'ai remarqué, alors ça c'est peut-être moi qui le ressens comme ça. Quand il fait mauvais comme ça, les premières minutes elles sont un peu flippantes. Hein. Parce qu'en fait, tu te dis putain on voit rien quoi. Et en fait, au bout d'un moment, ton cerveau s'habitue à mal voir et du coup tu vois mieux qu'au début. C'est un peu comme la nuit, tu vois. Mais là, je pense pas que ça soit physiologique au niveau de l'œil. C'est juste que mentalement, ton cerveau il sait que tu as une visée qui est limitée, il fait avec. Ouais. Et l'avertisseur de dire attention, tu vois pas très loin, il te l'enlève. Ouais. Parce que là on voit pas mieux qu'au départ, mais on a l'impression qu'on vit mieux les choses. Ouais. Parce qu'on s'y est habitué. Tu vois. Ouais, le risque c'est de pas s'habituer à pire non plus. Parce qu'à un moment donné, tu deviens un danger quand même. Ouais. Donc on fait le point, on regarde à gauche, il y a de la visée, il y en a un peu moins là, mais là il y en a. Ouais. Donc si ça passait pas, on fera un virage par la gauche. Devant nous, on voit une montagne au fond. Donc ouais. On va aller jusqu'à là. À la montagne, on fait le point, est-ce qu'on voit plus loin, etc, etc. Si on a un souci, on sait qu'en dessous, on a l'autoroute, ouais. Il y a un super fil d'Ariane, on peut se mettre 100 mètres dessus et se laisser guider jusqu'à Toulouse. Ouais. Ça, c'est la pire des situations, on ne doit pas y arriver, mais c'est une situation. Donc le secours, c'est le fil d'Ariane de l'autoroute. Ouais. C'est la raison pour laquelle je suis allé volontairement la chercher. Ouais. Voilà. Et puis l'autoroute, tu vas voir, elle passe juste à côté de l'aéroport de Carcassonne. On va arriver à Castelnaudary dans 10 minutes. Ouais. Castelnaudary, la piste, elle est parallèle à l'autoroute et elle est juste à côté aussi. D'accord. Donc si on voit qu'à Castel ça devient vraiment pourri, on s'arrête à Castel. Tu vois, on va de point en point. Ok. Et on sait au niveau de la Pepsi que passer les Ilians, le ciel va être tout bleu, ou quasiment tout bleu. Donc voilà. Là on voit que tu vois, j'ai perdu 100 pieds et de suite on y voit beaucoup mieux. Ouais, donc on reste ouais. à cette altitude là. Ça sert à rien de vouloir être haut et de se limiter la visibilité. Intéressant parce que au cours de ces 4 jours, tu as un éventail quand même au niveau de l'aviation qui est assez représentatif. Hein. Ouais, ouais, ouais. Pour un pilote de VFR, il s'entend, bien sûr, je parle pas de conditions complètement marginales. Hein. Non, on reste dans du correct. On est à 6 minutes de Castelnau. Voilà, 6 minutes de Castel, tu vois, donc s'il y avait besoin de se dérouter, dans 6 minutes, on peut se poser. Là on voit que la couche nuageuse du dessus, là la merdouillette qui est juste là, ouais. Bon elle a tendance à s'éclaircir parce que le ciel devient un peu plus blanc là, ouais. dessus immédiatement. Là-bas on verra quand on y sera. Mais là c'est parfait, moi je longe l'autoroute, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Alors ce qu'on fait là, c'est un nom en aéronautique, on appelle ça du cheminement. D'accord. Tu vois, j'ai pas besoin de carte, j'ai pas de carte, ouais. j'ai pas d'instrument, je regarde mon autoroute et je suis l'autoroute. Je chemine, je cherche pas à comprendre. Alors évidemment. C'est pas forcément une ligne droite, hein, parce que l'autoroute elle fait quand même des larges virages. Mais ouais. t'as ton fil d'Ariane comme j'ai mon fil d'Ariane, j'ai la ligne SNCF aussi à côté, et j'ai la 113, l'ex-nationale 113 à gauche. C'est-à-dire là je peux pas me perdre, hein. J'ai qu'à suivre, c'est un boulevard jusqu'à la Méditerranée là. Ah ouais, d'accord. Et pour la petite info, les pilotes de l'aéropostale quand ils partaient de Montauban, eh bien, ils suivaient ce cheminement. Hein. Alors, il n'y avait pas d'autoroute, hein. Il n'y avait pas de voie de chemin de fer, mais il y avait une chose, c'est le canal du Midi. Ah, en fait, oui. le fil d'Ariane de l'aéropostale, c'était le canal du Midi. D'accord. Et à chaque ville où il y a un point haut, comme là on va arriver à Avignonnet, tu avais ce qu'on appelle un phare. Ouais, ça j'ai vu ça. Voilà. Et c'est un phare, vraiment un phare. C'est-à-dire c'est un pylône où ils allumaient des lampes à pétrole. Ils avaient un nom, je ne sais plus comment on les appelait ces gens-là. Et c'était ce qui c'était avant les NDB de l'époque. Voilà, c'était un NDB visuel. Ouais. Et ils allaient de phare en phare. Et là, tu vois, à Avignonnet, il y en a un. Le problème, c'est que je me souviens plus où il est. En Bazière aussi, il y en avait un. Il y en a tout le long du trajet qu'on suit. D'accord. Et le canal du Midi, que je te dise, il est juste en bas. Tu vois, t'as l'autoroute et à droite, derrière t'as... là. Ouais. Voilà, on voit un cours d'eau. Ah oui, juste en bas. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ouais. Et là, c'est le canal du Midi. Voilà, Avignonnet, là on est typiquement dans du village de du Lauragais, tu vois. Ouais. Une église centrale, perchée, et des maisons tout autour, en colimaçon. Ouais. Là c'est Avignonnet. On va quitter la Haute-Garonne. Donc au novembre, est-ce que vous allez passer avec Castelnaudary? Pas
passer avec Castelnau d'Arry pour l'instant. Je suis obligé de rester quand même à 1300 pieds parce que sinon après c'est dans la couche. Je peux passer avec eux pour le transit si vous le souhaitez. Bon, c'est pour savoir s'ils avaient du trafic parce que comme je vois pas tout non plus à cause du relief, pour l'altitude vous êtes libre, hein, j'en tiendrai compte. Mais c'est pour savoir si vous voulez les appeler pour l'info trafic, sinon vous restez avec moi, ça me dérange pas. Écoutez, je peux quitter un instant juste m'annoncer, mais enfin, vu les conditions météo, je suis pas certain qu'il y aura énormément de trafic. Je les appelle par secours et je reviens avec vous à l'issue. À l'issue, s'ils n'ont rien, vous pouvez appeler Carcassonne directement, puisque vous serez à 2-3 minutes de Carcassonne de l'entrée de la CTR. C'est bien pris, monsieur. Mais écoutez, je vous quitte immédiatement. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir. Ce qu'on passe là, ça s'appelle le col de Nourouze. C'est quoi le col de Nourouze? Que je t'explique. C'est la zone de partage des eaux. Côté gauche, on est versant océanique, là on est versant méditerranéen. D'accord. Et Riquet, il s'est rendu compte que l'eau, quand elle arrive là, d'un côté, elle descend à gauche ou elle descend à droite. D'accord. Et c'est là le point haut du canal du Midi. Ok. Bon, Castel, 118.9. Alors quand on passe bas, comme ça, pour s'annoncer des petits terrains, parce que si on est en tour de piste, comme on n'est pas haut, on peut les taper, quoi. Ouais. Castelnau d'Arry, Fox Tango Novembre, bonjour. Bon, qui va rouler avec ce temps, quoi. Mais bon. Castelnau d'Arry, Fox Golf, bravo Tango Novembre, 1672 en provenance de Toulouse à destination de Carcassonne. On transite vos zones actuellement, on est à 1300 pieds QLH 1019. On chemine l'autoroute et on passe le circuit, on rappellera circuit passé pour basculer avec Carcassonne. Bon, il n'y a personne, hein. C'est l'auto-info, hein. Il est pas à gauche le circuit là-bas? Il est à gauche là, elle est à la piste, ouais. Un terrain que je connais bien parce que quand on fait le cassoulet, on y va chaque année, quoi. Bon, il est où Carca là? Je le vois plus. Ah, Carcassonne. Alors, Carcassonne. On a pris de l'altitude. Tu vois, je regarde la carte et hop, je prends l'altitude. Hein. C'est pas bien. Latice, c'est 120, 25. Tu peux le régler si tu veux. Vas-y. 120, 25. Le petit bouton, il va régler les décimales. Alors, pour faire le 0, il va falloir tirer, en fait je dis 125, c'est 120, je dis en arrière, 0,25 en fait. Ah. 0,25. Ah, il faut tirer la bannette, tire la petite, hein. Vas-y. Et là tu fais les, voilà, 0,25. Hop, grand coup, hop, tu appuies sur le bouton, et là tu bascules pour la mettre en actif. Voilà, et là on l'écoute. Le vent 280 degrés, 9 km, nuage couvert 4600 pieds, température 13 degrés, Québec nord en montagne 1018. Au premier contact annoncé, bravo, reçu. Good day, this is Carcassonne Information, bravo, we conduct at weather UTC. Expect RF approach runway 10 and surfing 28 runway 280, news transition level 60. Wind 280 degrees, 9 10 km. Cloud of the 4,600 feet. Temperature 13 degrees, Quebec, November, hotel 1018. Access contact, information level receipt. Bonjour, ici Carcassonne Information, bravo, enregistré à 7 ETC, prévu approché en 9, piste 10, de la voie 28, piste 28 en service, niveau de transition 60, le vent 280 degrés, 9, visibilité 10 km, nuage couvert 4600 pieds, température 13 degrés, Québec nord en montagne 1018, au premier contact annoncé, bravo, reçu. Alors, information bravo, c'est bon, le QNH je l'ai réglé à 1018, c'est bon, la température c'est bon, piste 28 en service. Donc on va faire une vente arrière, on va voir, je sais pas ce qu'il va nous proposer. Normalement c'est une vente arrière main droite. Hein. Donc on aura la cité de Carcassonne, on aura l'autoroute, hein, le circuit, la piste, hein, et là on aura la cité de Carcassonne. D'accord. Alors je vais prendre la fréquence de... Ben là tu vas pouvoir régler la fréquence aussi. On va te mettre en contribution. Donc la fréquence de Carcassonne c'est 121.00. C'est avec lequel que je fais? Avec la grande base et pour les centaines, là tu m'as dit 121.00. Alors je vais vous montrer un truc aussi. Comment tu fais 00? Avec le petit bague. La petite c'est les unités. Voilà. Parfait. Alors regarde. Vous voyez à gauche les bâtiments là-bas? Cette zone là-bas, ouais. C'est le centre d'instruction de la Légion étrangère. D'accord. C'est-à-dire que les légionnaires, quand ils rentrent dans la Légion, leur classe, si on peut dire leur classe, ah, c'est ici. C'est tous ceux qui les font, Castelnau d'Arry. D'accord, voilà. Tous les légionnaires
que tu as sur tous les théâtres d'opération de la planète. Ils sont tous quasi ici. Tous ces formés-là, c'est obligatoire. Eh ben oui, ça c'est le truc qui a remplacé ce qu'ils avaient en Algérie ou... C'est possible, je ne vais pas te le dire. Cassé Rosary de Fontainebleau novembre, on passe les Chevinières en direction de Carcassonne. Bonne fin de journée et bon vol. Bon, je parle comme ça parce que ça enregistre tout ce que je fais. Hein. Alors. Là, premier contact, on va appeler donc Carca. Tango novembre, bonjour. Tango novembre, bonjour. Bonjour monsieur, Fox Golf Bravo, Tango novembre 1772, 3 personnes à bord. En provenance de Lansbourg, à destination de vos installations pour un refueling. J'ai appelé par téléphone avant de partir. Nous sommes actuellement à 7 minutes de vos installations, on vient de passer Castelnaudary. 1200 pieds, on transponde 70-40, on a été libéré par le SID de Toulouse. Pour la piste 28 avec 270 degrés 8 nœuds, vous rappelez Whisky, le QNH 1018 et 1260. 1260, QNH 1018, la 28 en service pour une main droite. Ah oui. Merci, merci monsieur. Faut faire demander maintenant parce que... Là c'est le village de Villepinte, c'est comme ça. Voilà. C'est original ça. Voilà. Donc c'est, ici c'est assez agricole, hein. On voit bien qu'il y a énormément de cultures maraîchères. Alors là on est typiquement dans ce qu'on appelle la vallée du Lauragais, où d'un côté à gauche vous avez des reliefs, c'est la montagne noire. Ouais. Derrière la montagne noire on va retrouver les villes de Castres, de Mazamé, dans le Tarn. Et par contre sur la partie droite de la vallée du Lauragais, on va retrouver des premiers reliefs, avec le massif des Corbières et les premiers reliefs des Pyrénées qui sont sur notre droite. D'accord. Donc là on est véritablement dans une vallée, on a encaissé, qui est assez large et qui permet justement quand on a des météos à la Bourmoineuse, on peut se permettre de faire des vols à 1200 pieds en toute sécurité. Ouais. Et vous avez vu que plus on se rapproche de la Méditerranée, c'est en train de s'éclaircir. Voilà. Donc, alors, là il a annoncé 10 km là. Voilà. Et là c'est le fameux effet de fun que j'expliquais hier, enfin que j'expliquais. L'effet de fun, c'est que souvent ici c'est pourri, et de l'autre côté de la montagne, derrière c'est Castres qu'on a, et de l'autre côté de Castres, il y a une grosse trouée. Voilà. D'accord. Et ça a l'air de se reproduire parce qu'on voit qu'il fait c'est relativement beau sur la gauche. Mais face à nous, on a la Méditerranée, on va vers le beau là. Et là, on a bien 50% de visi de plus que tout à l'heure. Sans problème, hein. Ouais, c'est... Donc tu vois, il y avait juste 10 minutes, un quart d'heure à vraiment bien gérer et à savoir si on poursuivait ou pas. Ouais. Voilà. Là, la prise de décision, malheureusement, elle s'apprend dans la formation, mais après, on la maîtrise au fur et à mesure de son propre expérience. Ouais. À gauche, filtre à deux antennes paraboliques. Alors, ça, je vais t'expliquer ce que c'est. Là, on passe la ville de Brame, toujours dans l'Aude. Et sur la gauche, ce que vous avez, c'est le centre d'écoute de la Marine nationale. Ah bon ? Pourtant, on est loin de la mer. Et en fait, ils ont un centre d'écoute qui se situe à cet endroit-là. Donc ça, ce sont les marins qui sont là. Ah bah tu vois, je connaissais pas. Et j'avais d'ailleurs le mari maintenant, son marié d'une amie d'enfance, qui a fait son service militaire là. Alors quand il est tout au service dans la marine, t'es où à Brest, à Toulon? Moi je suis à Brame. Ouais, je connais, là tu vois, je connaissais pas. Voilà. Là c'est une partie assez plane, bon, qui n'est pas très intéressante, mais qui est plus que celle d'hier. Ouais, ouais, c'est là sur la gauche, on recoupe un niveau, vous allez voir, c'est le canal du Midi. Tu vas le voir sur ta droite maintenant. Ah, je reconnais ça, le canal du Midi, pourquoi? Parce qu'il est bordé de platanes, quasiment sur toute sa longueur. Ouais. Y a toujours une route soit en terre ou goudronnée. C'est ce qu'on appelle le chemin de halage. Ouais. C'est là où les chevaux, ils traînaient les péniches, exactement. Ouais, ouais. Et on va arriver sur notre gauche, il y a un terrain interdit. Un terrain privé peut-être. Non, rouge, interdit, admis, réservé. D'accord.
juste sur nos avant, dans la minute. Hein. Ah mais là le paysage il est sympa. Hein. Ah oui, c'est le Lauragais, c'est particulier quand même, hein, c'est pittoresque. Hein, y a pas... Puis là on suit le canal du Midi, Boulon. Et on a une voie de chemin de fer sur la droite. Voilà, c'est la voie de chemin de fer qui fait Marseille, Paris, par Toulouse. Ou Marseille et Bordeaux par Toulouse. En fait, c'est le Marseille-Toulouse, quoi. Qui est arrivé à Narbonne se sépare à deux. De côté, tu pars à Marseille, là, tu pars à Perpignan. Désaffecté, il est. Terrain désaffecté. Il est barré d'une croix. À votre échelle, tout à l'heure, je ne le voyais pas. Bon, par contre, il est quand même assez à gauche. Hein. Tango novembre, on passe travers Whisky Alpha, 1200 pieds. Reçu, entrée vent arrière, main droite, piste 28, fin, appelez vent arrière. On rentre vent arrière, main droite, piste 28, on rappelle vent arrière, Tango novembre. Voilà, Carcassonne est face à nous. Ouais. Alors vous allez voir, il y a l'autoroute, hein, il y a la piste. Alors, autoroute, piste, et la cité, on va aller à droite, hein, vous allez la voir. Hein. De toute façon, qu'on fera qu'on redécollera en 28, on demandera un circuit main gauche en 28 pour pouvoir faire la cité. D'accord, voilà. Là, j'ai demandé si c'était toujours main droite, c'est parce que si vous avez donné la main gauche, dans le dernier virage, on aurait tourné quasiment au-dessus de la cité. Ah, d'accord. C'est pour ça que la main gauche n'est pas autorisée, sauf au départ, pour que les gens puissent faire trois photos. Ils te l'autorisent. D'accord. C'est pas marqué sur la carte pour éviter que ça devienne une formalité. Ouais. C'est juste à la demande, à l'appréciation du contrôleur et le pilote qui ose demander ou pas. Celui qui n'ose pas demander, il ne le fera pas, évidemment. Donc là, on voit bien l'effet de fun à gauche. Hein. Ça fait l'effet de trou et géante. Voilà. Vous avez vu, on a passé tout à l'heure à avignonner des éoliennes. On a retrouvé en haut sur les sommets là-bas. Il y en a une tripotée sur l'arête de la montagne noire. Ah ouais, je vois bien. Et plus on va progresser vers Narbonne, plus on va retrouver ce genre de dispositif. Alors le pont de piste est à 1400 pieds. Bon, ben nous on en reste à 1200, c'est pas très grave, on arrive 200 pieds. La piste de Carca est à droite, hein. Voilà, on commence à voir. Ah oui, d'accord, ouais, je l'avais pas vu, tu vois. Voilà. Alors on met la pompe, on met la fuel pompe. On met les feux, on commence à réduire un petit peu sa vitesse. Hein. Vous voyez, Toulouse-Carcas, c'est rapide. Hein. Et vous verrez tout à l'heure, on va survoler l'aéroport de Montpellier, vous allez voir qu'il y a énormément de trafic. Et le risque de refouler là-bas, c'est qu'on attend de trois plombes. Ouais, c'est ce que tu disais. Voilà. Fox Tango novembre, on a la piste en vue, on est en dépouille de vent arrière, piste 28, main droite. Numéro 1, rappel final. Numéro 1, rappel final, piste 28, Fox Tango novembre. Donc là le canal du Midi est à gauche, on le voit bordé là, ouais. Voilà, là on a la piste. Alors comme je te disais hier, tu vois, tu peux prendre ta petite pilule. Alors déjà il aurait fallu que je recale le conservateur pour être quand même mieux. Là on est au 100, tac, et là je mets 28. Voilà, et là je vois que j'ai la piste dans le cul, donc je ne suis pas convergent, je suis parallèle. Ouais. Voilà. Alors le circuit est rapproché, parce qu'on ne peut pas survoler la ville. Donc on va faire une base rapprochée, c'est-à-dire on va pas aller loin, ouais, on va aller revenir. On va faire une arrivée comme ça. Voilà. La cité est partiellement éclairée à droite, à flanc de montagne. Et les bâtiments se jouent avec la couleur de la verdure. Hein. D'accord. Alors le plan est très fort ici, hein, très fort. C'est pas un plan à 3%, hein. C'est 5%, 3 degrés pardon. Ah oui, parce que t'as tellement fort. C'est un plan plus fort à cause du survol de la ville. Hein. Ouais. Parce que le Ryanair, lui, bien sûr, il est obligé de tourner au-dessus de la ville. Hein. Bien. Donc on commence à percevoir la cité là-bas, partiellement éclairée. Là on a le nez quasiment dessus là. Tango novembre, piste 28, autorisé atterrissage, 270 degrés 8. Autorisé atterrissage, piste 28, faut que ça en novembre. Ouais, faut faire un circuit proche là, tu peux pas tourner au-dessus de la ville là. Voilà. C'est bien parallèle, c'est perpendiculaire. Un petit coup d'œil à la finale, voir s'il n'y a pas un avion en panne moteur. Pas de radio qui arriverait en détresse hein, pour pas se la payer. Mais on aperçoit la cité là-bas. Voilà, la cité vous l'avez. Elle est sombre là-bas. Ah oui, d'accord.
Ah, le vent qui a, t'as vu, il nous pousse tout seul le vent. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je joue avec le vent en fait. Je laisse le vent me remettre dans l'axe de piste, tu vois. Oui. Voilà, un petit coup de pied. Hop, voilà, on reprend, on va reprendre le plan. Ouais. Voilà. L'idée c'est de viser quand même. Voilà. Bon, il faut passer le seuil décalé, les petites flèches. Ouais. Et avec le nez d'avion, on va viser la ligne centrale. Tu vois, et quand on est à la bonne hauteur, ça, ça se ressent. On va lever le nez de façon à mettre le haut du capot moteur sur le haut de la piste qui est tout à fait rond. Tu vois la piste là-bas, ouais. Je lève, comme ça, là, je garde un peu de moteur. D'accord. On va toucher, ouais, bien aligné, ouais. Regarde. Regarde. Toc. Ouais. Voilà. Ouais, flagrant, c'était juste au... Voilà. Le repère est en circuit, ça marche. Tu prends le haut du capot moteur et tu le fous en haut de la piste. Pour le seuil de piste opposé. D'accord. Tu es sûr de jamais toucher ton hélice. Si vous êtes contrôlé, vous faites 180. D'après ce que m'a dit le refouleur tout à l'heure, le monsieur de l'avitaillement, il vous attendrait au parking en station générale à côté des pompiers. Maintenant, je suis à votre disposition. Ah oui, non, mais c'est un jet 1. Affirme. Ah oui, d'accord, effectivement. Donc vous roulez vers la station générale. Je pensais que c'était du 100 LL. Oui, bien sûr, mais oui, non, non. Et là, justement, à l'Alsbourg, ils n'ont pas de jet 1. Voilà pourquoi on se fait une petite escale à Vitalement. Est-ce qu'il est possible que vous puissiez joindre le monsieur, s'il vous plaît? Oui, pas de problème, je l'appelle. C'est gentil, merci beaucoup. On roule pour le parking à l'aviation générale pour le 5 novembre. Je voulais même pas l'appeler, il arrive là. Ah, c'est excellent, super, merci beaucoup. Là, ça sert d'appeler les gens, tu vois. Et ouais. Le mec, il est déjà, dans, déjà, camion, il est déjà dans le camion avec son gyrophare. Donc ça, c'est un nouveau parking qu'ils ont fait à droite pour les Ryanair. Vous voyez là, toute cette zone hein. C'était ça qu'il avait mis à jour, Mousse, je crois. Voilà, ouais. Quand on avait fait des photos avec Homolas, quand on était venu. On avait fait des photos de la nouvelle du truc des pompiers. Voilà. Et l'aéroclub de Castelvary, de Carcassonne, Eric m'a posé la question, Eric Trant qui fait les livrets là actuellement. Il me dit putain, j'arrive pas à trouver. J'ai dit bah oui, c'est sûr, c'est ça, c'est l'Algeco qui est là. Hein. Ça fait bizarre pour une ville comme Carcassonne. Ouais. L'aéroclub, c'est la misère. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ah ouais, ouais. Donc on se parque dans la mesure du possible, toujours face au vent. Bon, ce qu'on va faire en fonction de l'heure, la taxe on va pas la payer, je la ferai envoyer à Avignon. Je la réglerai à Avignon. Il y a 2, 3, 4 euros, même s'il y a 10 euros de frais, je m'en bats l'œuf. On va passer, parce que là il faut partir à pied au terminal, on va y passer la Videra quoi. Ouais, 5 novembre, on est au parking pour quitter. Elle vous quitte à fréquence, il arrive. Merci, à tout de suite. Allez, c'est on est à 163, 612, 10h05. 10h05. On a mis 30 minutes alors. Non, 40. Allez, on est parti à 9h31 et 10h. Ok, super. On toujours un peu, c'est normal, il y a l'intégration, mais au moins là on est sécure. Puis vous verrez Carcassonne. Bah voilà. Ça a manqué au tableau. J'ai vu d'en bas, je te disais, donc c'est bien de nous voir d'en haut. Donc on est à Carcassonne pour un refueling. Et je viens de changer la carte. La 64 gigas. Et là, c'est un petit essai en même temps. Ah, ça veut rien, il arrive. Bon, ben ça a l'air de vouloir fonctionner. Hein.